J'ai vraiment accroché sur ce type de vélo, sur le trike. Alors je ne savais pas trop quel vélo prendre, mais je savais que j'allais en acheter un de toute façon. Ce type de vélo couché à trois roues est beaucoup plus confortable, beaucoup plus sécurisant et plus ludique. C'est quelque chose que je voulais un peu explorer. Donc ce vélo-là est un vélo entièrement rigide. D'accord. Par contre, pour compenser la perte de confort qu'on peut avoir avec une roue de 20 pouces derrière, parce qu'il n'y a pas de suspension, je l'ai pris équipé avec une roue de 26 pouces. D'accord. Donc c'est un vélo qui a... Alors ça présente l'avantage d'être un peu plus confortable qu'une roue de 20 pouces et également d'avoir un meilleur rendement en termes de pédalage. Ce qui fait qu'on a des pneus slick et des pneus étroits avec des jantes très fines. Et c'est un vélo qui est plutôt axé sur la vitesse, quoi. D'accord. Clairement, mais qui peut éventuellement être polyvalent en changeant les pneus, avoir des pneus un peu plus gros, faire un peu de tout chemin. Donc je l'ai acheté sur la confiance et c'est vrai que Philippe connaît bien son métier. Et puis Philippe est de très bon conseil, de toute façon il a bien vu ce que je cherchais et il m'a bien conseillé. Je pense que c'est vraiment le vélo, pour moi le vélo idéal. Parce qu'en fait sur ce type de vélo, le haut du corps est complètement détendu. T'as vraiment pu prendre le temps pour choisir ton vélo, t'as pu faire des tests et des essais. Oui, tout à fait, grâce à Philippe. L'aspect qui prime pour moi, c'est le confort. J'ai l'impression de faire du vélo dans une chaise longue. Ouais, c'est le grand confort.